la Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup voyagé tellement que j'ai eu trop d'expérience maintenant. Désormais, moi, je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces deux personnes-là, en tout cas, je les respecte. Ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes hommages, et puis ils ont les mêmes privilèges. Président, et puis prisonnier, il faut les respecter. Voilà. Non, je fais une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Quand on convoie les prisonniers, c'est la même chose. Il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez si les cargos, là, il y a des trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'eux aussi, ils nous saluent. Président, il prend serment. Prisonnier aussi, il prend serment. Il dit, Jésus de dire la vérité, rien que la vérité. Président, il prend serment où? Au palais présidentiel. Prisonnier, il prend serment où? Au palais de justice. Chacun a son palais. Quand le président dort, on le surveille. Quand le prisonnier dort aussi, on le surveille. Président, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde républicaine. Prisonnier aussi, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde pénitentiaire. Pour aller voir le président, on prend rendez-vous. Est-ce que pour aller voir les prisonniers aussi, on ne prend pas rendez-vous? Parmi les prisonniers, il y en a qui sont des voleurs. Est-ce que parmi les présidents? Bon, pas ceux qui sont vers chez nous ici, hein? Au loin là-bas. Là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui volent souvent l'argent du peuple? Du point de vue orthographique, président commence par quelle lettre? Président commence par quelle lettre? Prisonnier commence par quelle lettre? Quand on abrège président et puis on écrit sur sa voiture, on abrège comment? On écrit PR. Est-ce que parmi les... Dans l'orthographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans? Donc ça veut dire quand tu regardes très bien, tu as l'impression que président et puis prisonnier, on dirait que les deux ils sont quelque part même chose. Tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade. Et qu'à tout moment, les deux peuvent s'inverser les places. Parce que souvent, c'est le président qui devient prisonnier. Souvent aussi, c'est le prisonnier qui devient président. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Exemple, Nelson Mandela. Mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, on n'a pas encore trouvé exemple jusqu'à présent. Je vous remercie.